split juste parce que, genre, quand je vais m'être décidée à quel moment exactement je fais mon split, genre, Ouais. on efface tout pour recommencer. Non? Correct, avec 6 blue balls, anyway. C'était pas une belle run. J'avoue que, vite-moi. Ok, t'es prêt? Oui. Ok, 3, 2, 1. Ah, j'ai pas reseté mon timer. Tracker. C'est pas très grave. Ça va mêler ton menu. Je sais pas. Au nombre d'affaires que tu, au pire, je vais effacer des éléments dessus. Tiens, c'est pas très grave. Ah, il parle du level de Mario Maker, je viens de l'arriver. Je comprends. Eh oui, c'est clair. De toute façon, je veux pas qu'il m'en parle du level. Ce que j'aurais trouvé le fun, mais je comprends qu'on pourra pas le faire, c'est que les différentes personnes qui l'essayent le stream, puis que Cryptic nous fasse un vidéo recap à Carl Sagan. Oui, ça me dérangerait pas de faire ça. L'essayer. Blind. Mais je suis pas bon, Mario. Ben là, de ce que tu disais hier, va falloir qu'on déteste Camille aussi, là. Ouais, ben c'est pour ça que je dis, Falcon, ce que j'aurais aimé, mais je sais que c'est pas possible. Parce que la même chose pour Numberplay. Ben en fait, là, je sais pas, Numberplay parlait qu'elle allait s'en commander une. Ouais, qui checkait ça, puis que tout d'un coup, il y avait une source de revenus magique qui vient d'apparaître. Yeah, à quoi des cadeaux. Mais on fait deux fois, je manque ça. Et boy. Hé, hey, lâche pas! On va l'avoir! Bon, je pense que je vais ramasser le cœur dans le dessous du pot. C'est pas tant un détour. Hey, salut DJ! Ouais, c'est acheté une carte de card, mais vas-tu attendre de la recevoir avant de faire ton niveau? Il l'a acheté? Je pensais qu'il checkait pour l'acheter. Ah, tantôt, il disait que ça l'était commandé, ouais. Ah. Ok. Ah, je viens de. Rip une robe de façon. On a ça, ça va, toi? Ben, rip. Ouais, je suis pas sûr que ça compte comme rip, comme. Oh, cœur a disparu. J'aurais certainement pu la soumettre pareil, genre la finir et la soumettre, mais il aurait fallu que je calcule mon temps comme manuellement. Hein? Oui, je sais, Cryptic, c'est un stoop, là. C'est ce que je fais d'habitude. Je suis pas 100% focus comme les gens qui sont habitués de faire du speedrun en stream. Ça me déconcentre quand même un peu de parler à tout. Ouais, non, c'est, ça fait une, ça paraît pas tant que tu joues, mais il y a une grosse, grosse différence. Ouais. Quand je faisais des runs de tournois ou offline de SM, je voyais une méchante différence. Oui, j'ai pas checké, Fred. Ben, j'ai checké, mais pas vraiment sérieusement. Bon. Là, c'est trop facile de prendre des dégâts dans le noir que de ramasser des cœurs. Ah, bah, ouais, t'as un corps de cœur. Yes! Je me suis fait track par le ball and chain pis le garde vert. Moi je me suis fait. Ah, les gardes bleus m'ont wreck, moi. Les deux salles.
Tu veux pas mettre public ton code, Capsis? T'as des pieds level 12. De quoi tu parles, Fred? Je pense qu'il parle de Pokémon. Vous me lâchez les unes de serpent. Ah, y'a plus qu'un serpent ici. À droite, ouais, ça m'est arrivé tantôt. T'es un peu sûr. Ça m'a fait comme. Comme Kiptix l'autre jour qui disait qu'il y avait deux serpents dans son chemin. Je suis tout le temps surprise quand j'ai une boîte de dialogue comme « Ah, c'est vrai, elle me parle là. Merde. » Ouais, le fait qu'ils sont plus en rando, ça apparaît normalement. Ah, putain. Pire RNG du haut. Ouais, non, je pense qu'il y a de quoi de pas logique dans ce que t'as dit, Fred, c'est tout ça? Non, non, c'est correct. Je sais pas, je comprends pas. Non, mais tu sais, quand j'arrive ici, moi aussi j'ai un rubis, pis là j'ai pas un rubis. Oh boy, that escape was bad. Ouais, moi aussi. J'suis quand même surprise. Plus 6, point 6. Moi, sûrement essayer de streamer ton level 6 un jour. Dans la semaine. Falcon, il y a une chest ici qui a un cœur. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Je te réagis pas à ton cœur. C'est vrai ça, Fred? Oui, puis tu me réponds dans l'autre chat. Ah, multi RNG. Multi-stream. Ouais, comme là, normalement, la stratégie de speedrunner, ça aurait été de tirer de vous-même, pas de donner un coup d'épée. Je l'ai oublié comment on fait le pokes. Ah yeah, je l'ai eu. Oh boy. Ouais, c'est ça, c'est que dans ce cas-là, tu peux sortir ton épée avant. Ouais. Pendant que t'attends qu'il déjeune. Exact, c'est pour ça que c'est plus rapide. Yep. Ramasser des flèches cette fois-là. On tire des pots, Cananza. Je suis au courant, merci. Bon. Ah ben. La même place que t'étais tantôt quand je faisais ça, je pense. Tu penses? Ben, peut-être que j'avais plus de délai sur le stream tantôt aussi. Non, je pense que j'ai... Ça me tantôt t'étais une salle plus loin, ou une demi-salle plus loin. Mais ça se ressemble, t'as raison. J'ai eu un encore moins bon escape que tantôt. Tantôt j'étais à plus 3, j'étais à plus 6. Ouais, tantôt je pense que j'étais à moins 2, plus j'étais à plus 3. Mais c'est ce genre de niveau qui est souffrant quand tu sais c'est quoi qui est à faire? Parce que d'habitude, les troll level, quand tu sais quoi faire, c'est comme. Mais...
Non, non, mais c'est pas raté. Oh, un rubis rouge, on va le prendre aussi. Anti-stoop. Yeah. Ok, j'ai semi-raté, mais c'est tenu top. Which won't happen. Ouais, à moins de savoir le level à l'avance. Ça. C'est ça qu'on dit. Bon, mais 2 en 2, c'est le quick kill. GG. Yay. Oh, un rubis rouge. Le quick kill de j'ai tiré une flèche de pas assez. Oh, un gold. Mon split a pas marché, en tout cas. Faudrait que je vérifie parce que j'ai peut-être accroché 0 puis 0 c'est pause. Puis, quoi échéant, mes splits sont décalés d'une fraction de seconde. Rien. Bon, mais tant pis. Penny a boots, indeed. Au fait, sont où les flèches dans la gotara? La salle avec les deux gardes rouges, dont soit un qui donne une clé, j'imagine? Ouais. Pis c'est genre le deuxième. Ben en haut, le dernier pot en haut à droite, genre. Mais dans la rangée du haut. Genre. Fait que si tu fais la strat rapide, tu prends les deux pots dans ta face pour que tu le gardes, puis tu te boomerangues la clé, puis après ça en sortant, tu ramasses le pot sur le bord du ledge. Genre. Ok. Pourquoi j'ai descendu autant que ça, c'était comme complètement aussi. Quand le super speed te troll. J'ai de la misère moi avec le super speed avant en bibliothèque là. Oh fuck, une flèche en face. Tantôt que je l'essayais pour la première fois en toute franchise. Là. Tantôt ça a pas marché. Là je l'ai eu, mais j'ai pas réussi à rentrer dans la porte de la bibliothèque. Ouais. Je me demande si quand il faut que tu ailles en diagonale, mais tu peux dasher genre horizontal et vertical, si ça vaut plus la peine de faire deux dashs ou juste. Si c'est deux dashs de 4 pixels, oui, je pense. De 4 pixels, de 4 cases. Ouais, ouais. Tu parles-tu, genre, après la bibliothèque jusqu'à Ogo, genre? Ouais, ouais. Ouais, ça c'est plus rapide, pas dasher. Là. Pas dasher? Ouais. Ok. Bon, tantôt, je sais pas à la même place. Ok, ici, ça devrait être pas pire. Un petit peu trop loin.
Un peu la même chose à Desert quand tu vas à Dwight, genre, juste avant la porte parée. Ah ouais, tu ramasses pas les flèches en dessous du pot ou en bas, toi? Oui, mais l'autre salle d'après, juste avant la porte barrée, dans le fond. Comme un couloir diagonal. Et tu peux faire deux dash. Où c'est qu'il y a deux flèches, je sais pas? Ici. Pas deux, une, mais ici, ils sont flus. Ah ouais? Je savais même pas qu'il y a des flèches. Tu qu'il y en a ici, là? Yep, il y en a ici aussi. Moi, c'est cette salle-là, je parlais qu'il y a du monde qui le font en dashant les deux bords. Ah, ah boy. Bon, même RNG que tantôt. J'ai attendu. C'est rare que je suis capable de dasher dans la salle des shooters. Ouais, c'est... Quand tu peux le dasher le premier, en général, le deuxième est correct aussi. Tu veux dire en montant pendant ouais, c'est ça. C'est supposé pouvoir faire les deux. Oups. Sorry. Fais ça. Ah, comme j'ai raté mon cookie, j'ai un petit peu mettre flèche que tantôt. Correct. Mettre à 24 en sortant d'ici, puis je pourrais mettre à 29 avant le boss. 29 flèches par mot, ça, ok. Je trouve que j'en ai beaucoup à 21. Ah, j'essaie tout le temps de me mettre au max, j'en manque tellement. Tantôt, j'en avais 30, puis j'essaie tout de suite, ça. C'est quoi cette RNG là? Oh my god, un rupi rouge. Tu vas te mettre à me ramasser tous les rupi rouges à la fin de faire des tuyaux. Non, t'as peut-être en plus de rubis que moi. Non. Sans pourtant, je n'ai pas ramassé des rouges, donc je peux me tromper. Mais je l'ai pas ramassé le rouge, j'ai dit ah, un rupi rouge, mais il était quand à l'autre bout de la serre, pis j'étais triste. Ah, ok. Ouais. Effectivement, dans ce temps-là, tu vas pas le ramasser. J'ai oublié de changer mon arc avant de rentrer dans la serre. Oui, parce que je m'attends avec la musique. Ah, ok. Fait que la musique était pas à la même place que d'habitude. Wow! Let's go, on va l'avoir. 46 armes, je suis capable. Ouais, comparé à tantôt. Tantôt, j'ai fait un goal, fait que j'ai perdu 25 secondes comparé à tantôt. Bon, ok. Hey, je suis venu avec des flèches. Oui, j'en ai comment? Deux? Moi, j'en ai trois. Je suis rentré à 29. Je suis rentré à 21, je pense. C'est ce que tu disais. Ben, tantôt, je l'ai fini à l'épée, ça. C'est pas bon. Ah, j'ai fait la même niaiserie que tantôt. J'aime ça donner des câlins aux cactus. Ah boy. Ah, mais ça marche pareil. J'ai dashé dans le buisson pis ça a défait mon setup. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, Falcon, tantôt, tu me disais t'as pas appris la strat NMJ pour ton fait le push. Non, pas encore. Faudrait bien. D'habitude, c'est comme ça. Oups. Je pense que je suis trop loin. Okay.
tantôt ça a été plus rapide en faisant une transition des grandes plus. Je comprends pas quel speech je comprends. Bon, ben j'ai plus de cœur que tantôt. Pas de beaucoup, mais. Yep, moi aussi. Mais toi, c'était catastrophique tantôt. Bon, ben je l'ai mettre à égalité tantôt. Un peu de damage pour le fun. De plus, peut-être. Non, en termes d'avance, il me semble que ta room était moins avancée que ça tantôt quand je suis arrivé. Ah ouais? Fait que j'aurais plus d'avance que tantôt? Ouais. C'est sûr que ma montagne était désastreuse tantôt. Oh boy. Ouais. Tu t'arrêtes sur mon but. Câlin de tuiles. Ouais, j'ai fait un câlin aux tuiles. Hey, je l'avais appris la strat dans ce salon à un moment donné. Puis là, 5 essais, je l'ai pas encore réussi. Donc, je vais en pratique. I guess. Là, tu parles de la switch qu'il faut flipper. Hein? Ouais, la switch avec le coup d'épée que tu renvoies directement. Moi aussi, j'étais capable, puis là, je suis plus capable non plus. Tu as fait des câlins au dessus là? Un câlin à une tuile. En disant, well, c'était pas ça mon but. Je pense que ça vaudrait la peine que j'apprenne le setup avec le dash pour le jump ici. Comme ça, j'avais pas besoin de me placer super précisément. Ok, 24-4, mon vent explose. Oh, je vais ramasser le pendentif. Oh, gold! GG. Il
Yep, ça filait près des faces hein, comme saignement. Bon, pas souvent. Fait que 40 secondes derrière toi. Bon, vous savez, voyons espérer qu'il n'y ait pas une bombe en dessous d'une buisson. Ouais. Je vais essayer de pas banquer l'arbre. Pas d'abeilles cette fois-ci. Puis moi, j'ai essayé de pas banquer dans le trou. Bon, j'ai réussi, mais j'ai arrêté comme 4 gros trous. Il manque un corbeau à tuer. Juste tuer 3 ennemis. Ah! T'es fait hit? Yeah. Il faudrait comme tantôt. À partir de là, quand j'ai bunké l'arbre, tout le reste était un désastre. Ok, ouais, c'est cet oiseau-là, moi aussi, qui me fait. Qui me met souvent, fait que là, j'y vais super safe, puis je vais juste attendre avec ma sword out. C'est quoi le hotfix, Cryptix? Yeah! Parle-moi de ça! Ouais. C'est un cas de, je sais pas si c'est un go ou du tout. J'ai annulé le split puis je l'ai fait. C'est-tu parce que d'habitude je split plus tôt que ça, là? Plus tard que ça, c'était. Oh, 144! Oh, ce qui m'est arrivé tantôt de faire, ouais, qui c'est, j'ai ramassé là? Ça arrivera plus! Oh, cool! Plein de nice choses. Mais quoi, vous jardez là? Je sais pas, c'est écrit qu'il y a un hotfix qui est sorti pour LTTPR qui fixe le save and quit delay. Oh. Fixe, ça veut dire qu'il en met comme il était avant, là? Ouais, c'est ça. Puis qu'on va pouvoir tout voir les objets dans le noir à ce temps. Ah. Ah, je pensais que c'était déjà up, ça. Non. Hey, toi. Pas plus tard que tantôt, j'ai pas vu ce que j'ai ramassé dans le noir. Silvers, active en swordless, are the expert. Ouais, ça c'est normal. Y'avait-tu un problème avec ça avant? Ah, always, ok. Et plein de new spreads. Moi, j'avoue que la sprite que j'aimerais bien qu'il ajoute, mais je pense que ça arrivera jamais. C'est... Ok, c'est la première fois que je fais cette stall-là sans activer un seul des gardes. Oh, nice. C'est Selan de Lufiadu. De quoi Selan de Lufiadu? Nice. C'est le sprite que j'aimerais qu'il rajoute, mais je pense que ça ne va jamais. Je l'aime bien, grosse personnage. Il n'y a pas grand chose de particulier, en fait, quand je pense, mais. Ah, non, c'est. Un good sprite puis un nice personnage. C'est surtout le jeu comme tel qui m'a marqué ouais. Et j'adore. Ouais. Mais je veux pas trop en parler parce que j'aimerais ça critiquer ses joueurs. Il n'y a jamais joué. Non! Ok, je dis, je veux pas trop en parler. Voyons, tu me fais tuer par un garde?
To do ou to play? Ma do playlist. Do play, ok. Le 1, il est cool, mais j'ai jamais fini. Le 1 est cool, mais beaucoup moins que le 2. Ça, c'est spécial que le 1 commence. En tout cas, la façon qu'il commence. Oh oui. Bon, je pense que c'est pas un gros spoil de... Ouais. C'est-à-dire que le 1 est la suite du 2. Ou le 2 est le préquel du 1. Yeah. Est-ce que c'est ça? Non, c'est ça là, avec les flèches. Bon. Tabarouette, Gold Split encore! Le 1, c'est la suite du 2, ouais. C'est... Ouais, c'est quand même fucké, là, mais... Dans le fond, c'est tellement pas un spoil, tellement c'est dans les premières minutes du jeu. C'est que quand tu commences le 1, ça dit « Ah, il y a 100 ans, genre, les héros ont sauvé le monde. » Pis nanana, pis quand tu joues le 2, ben t'es les héros qui ont sauvé le monde dans le 1. J'aurais aimé ça faire le 1 avant le 2 juste pour ça. Ça doit être spécial faire le 2 quand t'as déjà t'as fait la 1 quand même. J'ai joué le 1 après le 2. Ouais, moi aussi, mais j'ai jamais fini fait. Oh oui. Ok, combien de blue balls? Moi j'étais à 3. J'étais à 0, mais c'est normal. Mais je pense que j'ai 5 hits, fait que ça va être 3 là. Ouf, ça commence mal. 1. Ouais, 5. 3. Ton tour d'avoir un mauvais RNG. Yeah, 3. 3 en 3. Ouais, ça m'a commencé comme ça tantôt aussi. Genre, what the fuck? Non, c'est 7 secondes par blue ball, puis 7 secondes par cycle d'éclair additionnel. Ah, je dirais pas ça trop vite, Cryptix, mais ça va réouvrir le débat, en tout cas, ça c'est sûr. J'étais rendu à 5, fait que ça c'est 6, c'est ça? Ouais. Si t'en fais plus que 6, tu m'as battu de temps. 7! Wow. Bon ben rip facilement 45 8! Secondes. 8? Holy shit! Ça va bien que ça puisse pas arriver là! Rendu là, t'espères quasiment avoir le fabuleux 15. Ah mais c'est impossible. Ih, j'ai failli rater ça. Plus une minute sur mon split. Par ouais, 8. Mon... 8, c'est 56 plus 21. Ouais. Et une minute qui. C'est presque ça, ok. C'est bon, Cryptix. Parce que je sais que la communauté anglo a tendance à être contre, mais comme le conseil n'a pas à suivre les avis de la communauté. Ben, de mon point de vue, c'est un des arguments, en tout cas de ce que je lis, là. L'autre argument qu'on entend souvent, c'est l'automap tracker qui enlève le facteur oubli humain. Moi, ouais, j'ai vraiment dû dasher jusqu'à plus loin. Thank you.
Je m'en dis, t'as une bonne avance, mais oui. Ouais, quand même. Après la gueule que j'ai eue, c'est normal. Ouf. Ouais, je comprends votre argument, Cryptix, mais je comprends aussi le monde qui dirait « Ouais, il y a bien des affaires qu'on peut pas détecter, qu'on va pas se permettre à tout autoriser pour eux. » Ok, je pensais même qu'il allait shooter avant ça. Ça me devait perdre. Merde. Oups, je me suis calissé dans ma bombe. Biki, biki. Ben oui, effectivement. Puis justement, il y a des gens qui disaient que c'était de la triche d'avoir ce genre d'affaires-là, puis nan nan. Ouais, ça c'est sûr. Please. Ne pas se tirer dans un trou, c'est toujours une meilleure stratégie. Bon, cutscene pour ça. Fun stuff le niveau. Nice, j'ai hâte de voir ça. Non, je chope ça trop. Ok, un petit truc. Normalement, tu vois. J'ai pas trop eu le temps de valider. Non, ça c'est pas bon. Non, c'est vrai, j'ai Sword Beam. Ok, j'ai Sword Beam ça. Yeah! J'aurais pas oublié de déposer ma bombe avant d'ouvrir le coffre. Mais c'est autant de rubis sur le plancher. Un petit pincement au cœur. Ah, on n'a pas besoin. Ben oui. Mon rêve, un jour, c'est d'avoir tellement des Lucky Drop que t'as pas besoin de prendre les 200, 200-300 rubis. Wow! Bonne chance. J'imagine qu'avec un vraiment bon RNG, c'est possible. Pour avoir 500? Ben non, pas 500, mais 1, 200 dans le fond. Ah, oh, ok, 1 des 300? Ouais. Je vais prendre un méchant de King RNG. Oh boy, j'ai manqué mon spin, j'ai eu peur là. Yo, Professor School, what's up? Ouais, yep, I did! 5906. Thanks. Ouh! So now I can take a little break from SM. Je veux dire, on connaît les price packs en NMG, DJ. Ah merde. Oh damn, thanks! Le sub! Oh gold! Ok, fait que là je vais être à... Super appreciated. 5 coeurs. Faut que je fasse un peu attention, je peux prendre 2 hits. Thank you.
c'est pas assez safe. Oh, nice French. Yep, big milestone. Oops. And now I can switch to Pierre Kedi. Ah, j'ai pas reconnu ce que je m'étais dit sur ton... T'en étais dans ton... Ben, il y a beaucoup d'ennemis au début du jeu qui ont des price packs de rubis. Ah, it's fine. C'est pas complètement irréaliste. A lot of people missed it. I was streaming for like... C'est que tu fasses le détour pour ramasser les 9 hours. Je suis pas sûr que ça vaut la peine. Until I got it, so... I was a bit tired. Si j'avais ramassé tous les rubis qu'il a droppé, j'aurais probablement 100 rubis de plus que ce que j'ai là, je pense. Have you done any run lately? Nope, not like that. Oops. Je regardais ce que je faisais, c'est vrai. 4:50, yes, nice. I did the same when I tried to get sub 50. I was streaming for like 10 hours until I got it. But you'll get it soon, I'm sure. Je comprends que tu vas changer ta route de any percent après dans les sommes. Yes, avec toute la pratique de Phantom First que j'ai faite pour Low Percent, c'est très logique, mettons. Ok, je vais juste avoir besoin d'apprendre un peu le One Affair, hein. Mais le reste de la route, c'est pas bien même plus dur que du Low Percent. Maridia est pas mal pareil à Any Percent KPDR. Oh boy. Oh boy. Effectivement, ça oh boy. Pas bien. Please! Ok, on va prendre des pommes. Your goals are getting so low, what do you mean? You mean you've been getting good goals? Oh boy, bunk. Yes, c'est quoi ça? J'ai réussi mon spin speed pour éviter. Moi, je suis fait dans la mauvaise salle, puis ça a pas aidé. Mais non, je me rappelle pas s'il faut que je dash. Oh, that's good. What's your sum of best now? Oh shit, I was doing rando. My god, où c'est que je m'en vais avec tout ça? Tu veux le quatrième coffre de... Ouais, je sais, j'ai fait les 40 tours, I guess. Forty-seven? Yeah, you'll get it soon, I'm sure. Oh boy. No. Yeah, no problem, thanks. I was quite happy with the sub hour. Oh boy. That's understandable. T'as quand même grindé pas mal. Ouais.
J'ai pas mis autant d'efforts que sur le sub 50, là, mais c'est pas mal la catégorie que j'ai mis le plus d'efforts après une percent. Ça m'énerve. Les ennemis qui te font dunker quand tu dashes dans le gazon. Oh boy. Les ennemis qui font dunker quand tu... Ouais, une espèce de rush qui s'anime quand tu touches. Ah, yep. Je suis pas à la bonne place. So, I don't know how familiar you are with Link to the Past, but I'm doing a casual race right now. If you wanna check both stream, you can just type multi. I'll just type it when I get stairs in the chat. Bon. Oh boy, rip. Our PBs are pretty similar, so this should be a pretty tight close race. Her splits are on the left side of my life splits. Bon, est-ce que je me rappelle du quick kill sublime? Ah, la tête est partie du mauvais bord, what the fuck. Oh boy, that's bad. C'était un désastreux blind. À ce point-là? Ah, j'étais sûr que j'allais mourir. Je comprends pas des fois pourquoi que la tête a part à Dwight. J'aurais pas dit. Je sais que c'est pas RNG, mais... Je fais les mêmes trois premiers slash. Des fois, ça fait ça. Moi, personnellement, j'ai jamais bien... Ben, on en parlait l'autre fois. Bien appris le script de blanc, ok. Tu disais que c'était easy. Ben oui. Ben une fois que tu l'as appris, là. Je veux dire, une fois que tu sais c'est quoi le script, c'est pas dur à pratiquer ça, je voulais dire. Bon, ben j'ai perdu quand même 20 secondes avec tout ça. T'as essayé de lui montrer. La phase 1, aucun problème. 1, 2, 3. Mais bien. Ben c'est cette partie-là, moi, que j'ai de la misère. C'est ici. Éviter la maudite boule. Puis là, regarde mon. Ah non, mon coup, je pensais qu'il avait pas compté. Puis là, j'ai pris fucking beaucoup trop de dégâts, je vais tellement mourir. Meurs pas là. Ben j'espère, mais. C'était pas là, fallait jouer ton miroir. J'en conclue qu'on a tous les deux eu un blind assez. Assez rough. Bon, moi, c'est dans mes standards, je te dirais. Regarde, je suis à moins 14 par rapport à mon speed d'avant. Moins 15 même, moins 14-7. Moi, je pense non, mais c'est ce que je dis. C'est la phase 1, j'ai aucun problème avec, là. Y'a pas de trouble. C'est en phase 2 le problème. Puis phase 3, de ce que j'ai compris, il n'y a pas vraiment de script. Tu fais du mieux que tu peux.
Non, mais il manquait juste 170 rupies pour skipper le deuxième chess. Juste. Strat, hit and pray. Hit and pray, ouais. Non, faut pas que j'oublie. Je pense que dans mon PB, j'avais oublié le deuxième chess, puis il fallait que je revienne après. Moi-tu là. Hein? Il y a un script, c'est juste moins coûteux de le manquer. Ah, ok. Bon, j'ai vraiment tout le temps entendu dire qu'il est rendu en phase 3, c'est comme il est... plus vraiment. Parce que ça dépend à quel point tu as réussi tes deux premières phases parfaitement. Ouais. On voit pas des fois pourquoi ça bug ici. Pourquoi je vais ici, moi? C'est du touriste! Pourtant, tu dis que ça fait longtemps que t'as pas fait de rendo! Ouais, mais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de NMG. C'est une bonne excuse. Level 1 GG! Oh boy. Bon. On va essayer de faire la strat comme du monde. Donc ça, c'est notre carré. L'autre jour, j'ai fait l'erreur de faire cette strat-là en rando, mais parce que si... Non, je l'ai fait trop tôt, en fait. Je l'ai fait en emmenant le Smith, fait que là, quand je suis sorti, j'ai repogné mon miroir pis j'ai dit « Non mais c'est parce que je vais lui parler au Smith pour avoir l'objet. » Fait que c'est pas rien. J'ai fait l'objet. Oublié... Par un instant, je pensais que j'avais mon miroir d'équipé. Ça fait des beaux bomb jumps quand tu as ton miroir d'équipé. C'est moins pire de... penser que tu utilises le miroir puis que tu utilises autre chose que l'inverse. Ouais. Ben ça dépend où est-ce que t'es dans le donjon, utiliser le miroir. Ouais, où t'étais, c'était pas si pire. Non, c'est ça. Tu t'ennuies des skips de dialogue, mais la NMG a quand même le gros avantage du skip des coffres à défaut des dialogues. Ouais. Bon, je peux-tu arrêter de prendre des dégâts sur le guide? Ah! Wow! Il était tellement à mon chemin, j'ai tellement donné le coup d'épée que j'ai fini par le tuer. Le guide, on s'en fout. Hein? Ok. Nice RNG. Ben, le skip du jeu, là, je dirais que c'est la speedrun qui dure 6 minutes, là, qui drop dans un pot à Hyrule Castle, puis se rend en Triforce Run. Toi, j'ai pas su un skip. Je suis con. Il manque une clé, là. Non, laissez-moi tranquille. Ok, c'est moins pire que je pensais. Je pensais que t'avais oublié l'autre clé. Non, non, j'avais oublié qu'il fallait que je tue une momie. Moins que ça, ça se peut. Ok, good enough. Prénom David? Hein? 33, mon dieu! Ok, je pensais vraiment que c'était autour de 5 minutes. T'as dit good enough. Ah, le any percent tout buggy? Ouais, ben la speedrun, ouais. Que t'as aucune règle. J'aime juste pas le fait que je suis pas full vie pis que je ne serai pas full vie. Ah bah ouais, j'ai gagné du temps par rapport à mon pib. Ah, c'est vrai. T'étais mort? Non, je suis retourné chercher le coffre, justement. Ça a l'air que j'étais allé avant d'aller au boss. Ok, on va ramasser ça, toujours au bon.
Ok. J'ai tout le temps peur de me faire 1.0. 1.0, c'est quoi ça? Quand c'est tu stoppes dans le trou? Ouais, c'est ça. Très grave. Parce que c'est plus possible, I guess, en 1.1. Ça s'appelle de même. Please don't die. Non, ça va pas bien, ça va pas bien. Meurs pas! On va essayer, là, mes mottes, faudrait que tu... Je t'arrête pas. Ah, hey! Voyons, j'avais donné déjà une coupe de coups. Ok. On s'en doutait déjà avec le 8 de blue ball, mais c'est pas un qui bouge. Oh, ok, moi je viens de voir le red screen. Yeah. Ah, yes, marche tout ça. Yeah, no problem, Professor School. Thanks for dropping by and thanks again for the sub. What? Qu'est-ce qui se passe? C'est arrivé deux fois, j'ai tiré mon coup de fire rod, ça a passé à travers la première torche, mais ça a allumé la deuxième. Ah ouais. Ça méritait juste un what? Évidemment. Deuxième essai, 4 slash, il est mort. Ouais. Tout le temps de même. Bon, ok, fait que là, je m'étais noté miroir, flûte 4, je fais ça. Yep. C'est genre de speedrun, ça, l'affaire d'une minute et demie, je suis comme... C'est bien cool pour genre, en exhibition, là. Ouais. Mais une fois que le trick est trouvé, c'est comme... Je vois tellement pas l'intérêt d'essayer de comme, l'optimiser. Ouais, j'aime pas tant ça non plus, Stéphane. Hein. Il y en a beaucoup à SM comme ça aussi, je trouve ça drôle de juste montrer à quel point ouais. Tu peux bugger le jeu, mais après ça, genre, l'intérêt de runner ça, zéro. Réussis à faire ton clip des escaliers le plus vite possible. Ça m'intéresse. Mais bon, ça prend des speedruns pour tous les coups. Yeah, exactement, critique. Ah, ok, ben à un moment donné, j'en avais vu un qui clippait dans les escaliers dans Hero Castle à gauche. Le long de la rampe où je suis plus trop, là. Ok, DJ, tu connais le même que moi. Oups. Non, eh ben. Let's go. Ben oui, je me fais aider par ça. Hier, puis j'ai cité un peu. Je sais pas quand est-ce que je vais en refaire, ça va être un score qui va être facile à battre, mais. Je sais comme pas c'est quoi l'étiquette de genre soumission de run.
Je sais pas s'il y en a une. Moi, j'ai soumis. Ça va-tu les tanner si tu soumets 3 runs en une semaine parce que t'améliores ton PB 3 fois, t'sais? Mais tant qu'elle est pas vérifiée, je suis pas sûr que tu peux la canceller, là. Ouais, je vérifie. Ah, ok. Ben, moi, je pense que c'est rapide parce que moi, ça prenait tout le temps 3 semaines. Hein. Ben, ça m'a étonné, je te dirais. Moi, j'ai soumis hier aussi mon Master Sword, puis j'étais surpris. Mais il me semble que ma première NMJ avait peut-être pris une semaine. Ouais. J'allais parler pour SM, mais SM, ce que j'ai soumis, ils l'ont pas vérifié. Ben, SM, il n'y a pas de vérification. C'est Honor System. Ah, ok. C'est ça, ça me disait Your run doesn't need to be verified. Je vais voir ça peut-être parce que je suis dans en bas de la liste, là, en termes de temps. Ben oui, je suis discuté avec quelqu'un qui avait envie de s'essayer à speedrunner Mario 64. Pis là, ouais, par contre, si tu te mets à speedrunner ça, genre, va falloir t'enregistrer ses affaires pis tout, pis là, ah, t'es sûr? Pis là, ben, je pense que oui, qu'il faut que tu mettes une vidéo pis ça, pis t'as là, ben non, il y a quelqu'un qui est genre dans le top 50 pis il n'y a pas de vidéo, là, comme. Ah ouais. Ça dépend des jeux, d'abord. Mais tu sais, c'est sûr que si quelqu'un arrive randomly de nulle part et qu'il se met un temps dans le top 10, là, c'est bon, ils vont se poser des questions, mais. Yeah. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait des prix à avoir World Record. Là. Mais il y a beau pas avoir de prix, il y a quand même du monde qui triche. Okay. Ouais. Ah oh, ouais, c'est sûr. Ouais, DJ, Super Metroid, c'en est un, il n'y a pas de vérification pour les runs. Il demande juste d'avoir une vidéo pour les temps relativement décembre. C'est où que je m'en vais, là? Ether Ashrap. Ouais, j'ai un petit moment d'hésitation. Non, c'est là, j'ai pas le grappin. Ouais. Je suis quand même 1 minute et demie en avance de mon PB. Quand même, GG. Je suis quand même très surpris. Ouais, ici, il va falloir que j'apprenne à faire cette pièce-là de façon à pas avoir à attendre après la torche. La torche? Ouais, la firebar? Ouais, ah, ok, ouais, ouais. Ouais, des fois je fais ça, puis je me fais hit, puis je tombe dans le trou. Fait que. Ça vaut la peine à apprendre pour pas le manquer, mais là, tantôt je l'ai essayé, puis je l'ai eu. Là. Ben, des fois je commence ça, j'aurais le temps de passer, puis j'ose juste pas. Ouais. Puis, ben, il y a aussi le fait que je veux prendre le pot avec le cœur, ben souvent. Ouais, ben, tantôt j'ai eu le temps de prendre le pot avec le cœur. Je vais voir un identifié. Je suis pas si pire que ça en cas. Oh boy, j'ai besoin d'une bombe. Ok. Ouais, au moins t'as un 50-50 juste à côté. Ouais, mais il y avait pas de bombe. Ah. Non, mais est-ce qu'il y en a dans ce swamp? Je pensais que je m'en allais le meilleur. Ouais, si, j'allais dire pourquoi t'as besoin d'une bombe rendu. Parce que je vais manquer mon spooky glitch. Mais tu vas pouvoir en avancer. Ouais, c'est ça. De toute façon, j'ai eu 2 50-50 manqués. Ah, il y en a un autre site. Tabarouette! Une chance sur 8. Je me suis mis à avoir un très sérieux doute sur. Le fait que c'était vraiment 50-50 le jour où. En passant par le sud, genre de l'Ingusas à 4, je l'ai fait 4 fois en n'en pognant aucune. Mais tu sais, il y a 2 bouches. Ouais. Comme 8 bouches, 0 là. Ouais, c'est RNG. Mais c'est sûr, c'est pas tout RNG, c'est sûrement un algorithme là, mais.
Non, il a dit parce qu'il va rater son spooky, ça va y prendre des bombes. Exact. Ben, une bombe, en fait. Ouais. Mais je me souviens, il me semble, où est-ce qu'il y en a dans le swamp, mais... Il me semble que c'est la place juste avant la fin, où est-ce qu'il y a des cœurs à gauche. Ouais, puis quand tu vas chercher la petite clé dans ta prochaine salle, là, le pot juste au-dessus, il tombe. Juste en haut, la petite clé. Je vais le prendre tout de suite, parce que sinon je vais l'oublier. Bon, mais j'ai pas pris lui que tu m'as dit, mais il y avait des bombes pareilles. Ouais, je pense que qu'il y en a deux, qu'il y en a deux. C'était volontaire, bunker par-dessus l'ennemi. Promets. GG. Ok. Il prend un rocher sur la tête, mais au moins, j'ai réussi mon spin speed. Spin speed? Ok, ouais. Oh, ouais, je suis en retard de même. Ouais, pendant l'instant, j'ai là aussi qu'il y a un spin speed. Et là, j'ai réalisé à la montagne. Je sais pas s'il y a une importance de l'ordre dans lequel tu fais Extra de terre, je pense que non. Non. Je pense que je le fais pas tout le temps dans Je pense qu'il y a une importance si tu fais le. Si tu setup le Spooky Action Glitch parce que tu le fais avant My Heure. Mais sinon. Mais je connais pas assez les nouvelles strats de Spooky pour penser que ça change le cas. Mais j'ai rarement vu le monde faire ice avant. Ether. Ice avant Ether? Ouais. Est-ce que j'ai fait dans le fond? Ouais. Ah, ok. Bon, ben vois-tu. Ça a l'air que t'en es un exemple. En un instant, j'ai eu peur. Je pensais à pas avoir switché la Switch. Ça m'arrivait souvent en run d'arriver ici pis il y avait des pics. Non, rip. C'est drôle, hier avant qu'on fasse notre run, je me suis posé la question à savoir si Icebreaker avait été autorisé avant que je fasse. C'est ça Icebreaker? En tout cas, une des techniques, mais tu sais qu'après ça, je fais. Mais voyons. Oh non, c'était AeroPot. Parce que je me suis dit. Ouais. Toi, j'aimais le hookshot là en LMG. Non, mais. Questionnement débile. Mais y'a pas un setup avec les bombes? Pour Aeroport? Ouais. Mais. Bah, tu peux pas hookshot le machin autrement. Ah, y'a un. Non, toutes les setups demandent. Le hookshot? C'est les bots ou les bombes qui sont interchangeables, j'imagine? Ouais, c'est ça. Ouais, en fait. Ouais, tu peux le faire sans bombe, effectivement. Parce que moi, quand j'ai les bots, j'utilise les bots pour faire mon placement, puisque je trouve ça plus rapide, là. Mais j'ai jamais fait la strat que tu fais un speed speed. On se dit 7 normalement qu'il y a des bombes. Yep. Je suis sûr, c'est lui. À gauche, c'est des deux cœurs. J'ai pris un chat. C'est une bombe pis des flèches. J'avais pas besoin de deux bombes. Mais... Better be safe than dead. Oh boy, c'était weird ça. C'est quoi les bombes qui vont te sauver de la mort? Rip run, oui. Ah, ok, moi. Ouais. J'avoue que dans ma rue. Manqué. Ben, si tu rentres dans ma rue et que t'as pas de bombes, tu les bombes là. Ouais, c'est vrai.
Voyons. Faut que tu t'en sous ça. Ah, il a fait un cycle de plus. Bon, mais c'était un bon swamp à part le boss. Je me questionne un peu la technique du... Tantôt, je l'ai presque fait en zéro cycle en pratique. Wow. Il a fait son spin pendant qu'il n'y avait plus de popcorn dessus. Son premier spin. Okay. Non, j'arrive à faire le premier en un cycle. Je suis assez contente. Mais c'est pour le deuxième que... La technique de... Ah, de la fire rod, tu parles? Ouais, de fire rod, un spin. Ah, c'est ça, vas-y. Je ne maîtrise pas. Fait qu'on est tantôt, je disais qu'il fallait que je pratique, surtout Coltsir, Agadur, Ganon, mais l'optimisation que je peux faire sur toutes les boss. Ah bah ouais, ça va être ça un gold aussi? Ben oui, un gold. C'était 2 minutes en avance dans mon PB. Ça va bien? Ouais, pas trop sûr. Faut te faire une autre il va falloir que je me batte. Pas trop sûr de savoir ce qui se passe, là, mais bon, ça a fait la même affaire hier en Master Sword. Je faisais juste des goals, je comprenais pas. Oui, ça va me prendre du lousse pour Ganon parce que mon Ganon est. Mon 3 hit par torche, il est pas bon. Moi non plus. Et quand j'avais fait mon PB, je pensais que je l'avais fait vraiment, vraiment, vraiment bien. J'avais fait 1-1, of course. Hein, je me suis fait hit par quoi? Ben, la petite. Petit truc de feu. S'il rentre dedans pendant l'animation d'ouverture, ça compte pas. Ben, what the fuck? Ouais. Nice, my R2. C'est bon, j'ai plus trop besoin de me dire à voix haute ou pas les coffres. Oh, c'est fou que j'aille. Oh, Meyer, à droite. Oh shit, what the fuck, Raph? Clé sur le pot. What's up? Avec le 4 mois. Ouais, ah ah ah. Surprise. Oh oui. Je fais une course de Zeldo. Si tu veux suivre. Ok, bon. Voyons, pourquoi ça m'a pogné ça? Hey, j'ai jamais perdu autant de vie dans Meyer. C'est réellement un gold ça? Mon dieu, c'était tellement pas bon pourtant. Ton... Argus? Ton... Stomp? Ouais, ton tour complet, ouais. J'ai tellement rien fait d'extraordinaire. Je m'étais noté Potki Biki. Je vais la prendre parce qu'il faut que je marque chez Spike. Fuck me. Where did you go? Elle est parti. Alternativement, tu peux pogner la clé dans celle du milieu. Parce que t'as vraiment pas. Ouais, mais je vais poudrer la ici. Next room. Te faire perdre ton spooky, ça? Bah, tant pis, hein. Better dead than pas spooky. Non, inverse. Better pas spooky dead. Je l'avais compris, j'ai même pas remarqué que t'avais. Ouais.
Magnifique. Je suis sûr qu'habituellement, je prends les dommages avant de faire tout le reste du donjon. Je viens de me rendre compte que c'était comme pas habituel, ma soeur. Oh boy, please. Ça a comme pas vraiment d'importance que tu le fasses avant ou après. Mais j'ai l'impression que c'est mieux de prendre les spikes après, parce que t'arrives du gros coffre, t'arrives d'en bas. Ouais. Je pense que c'est plus optimal. Peut-être. Mais là-dessus, faudrait que je demande à quelqu'un qui sait jouer. Bon, ça implique que je sais pas. Non, mais quelqu'un qui est un petit peu dans les tops. Pourquoi? Je comprends ce que tu veux dire. Pourquoi avant et pourquoi après? C'est sûr qu'il y a une raison, peut-être c'est genre de quoi comme le RNG des ennemis est mieux. Nice. Connaissant Slam DJ, c'est totalement pas une insulte. Bon, ben j'ai raté mon spooky version noob. Ah, j'ai jamais appris ça, j'ai. Ben moi c'est la seule que j'ai appris. Ben j'ai appris l'autre aussi, mais je l'ai une fois sur 10. De toute façon. Fait que ça avait pas tant gâché mon spooky, disons. Oui. Ok, ça aussi. Ah, fuck. De toute façon, comme on disait l'autre jour avec Fred et Sinan, si tes amis t'es insultent pas, c'est pas tes amis, c'est chaud de même. Je me rappelle plus c'était quoi la phrase exactement. Bon, ben on va finir ça safe. Et quoi, bonne idée. Avoir tes deux cœurs, bonne idée. Un code de Red TV ou... Non, en deux minutes, je parlerai pas ça si je penserais pas. J'avoue. Hein? Ah, si, j'ai pogné avec mes spins. Je pensais que j'avais 8 flèches à tirer. Hum. Mm-hmm. Yeah, ça en arrive aussi. Oups. Ouais, je serais pas une grosse perte de temps. Peut-être que je vais perdre 20 secondes. J'ai couru un peu partout avec les antiféries dans le donjon aussi. C'est quand même majeur en speedrun, mais... Et le pire, c'est que je pense que j'avais eu Spooky dans mon PB, fait que... Just the time save for next time. De toute façon, j'ai juste besoin de PB de 34 secondes. Effectivement. Mais 50, ça serait idéal. 57. Pour avoir aussi un sub de... Ça ben, une 40, hein. Non, j'ai-tu fait ça pour vrai? Mais non, on n'est pas disparu. Ah, wow. Oh oui, c'est parce que son but c'est de me battre. C'est pour ça qu'il faut qu'il PB par 35 secondes. Ouais. Ouais, j'ai dit 34, mais ça serait juste égalisé, ça. Ce serait pas satisfaisant.
Non, c'est pas si pire. Non, non, je suis l'intérêt, en fait. Ah, web date menu de tous les items. Toutes? Oh, non. Ah, la moitié. Un 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, t'en as fait 7? Pas loin. Ouais, c'est vrai que c'est long de charger des rocks là-dessus. Demain, on est mardi, right? Wow, wow. Ah, nice! C'est pas ici, c'est l'autre coffre. Ça dépend ce que tu veux comme rhum. Pour du GameCube, je pense que t'es mieux avec Dumsler. Ah, j'ai tué mon bon RNG avec la fée. Le double. J'ai pas eu de fée de la run encore, moi. Ah ouais? Hein? C'est parce que je l'ai pogné sans m'en rendre compte, là, mais... Yeah, ok. Ah oui, une fille! Oh yes! Super timing. Bon, yeah. Ben je me fais hit par ça, of course. Ah, c'est pas où tu étais pogné, je pouvais la pogner. Je pense dans la run, d'habitude, il y a pogné... Pensez qu'il y a pogné au Pookie. Pensez qu'il y a pogné au Pookie ici, mais... Ah, moi, il me semblait qu'elle pognait avant la Vicky. Ah, oh, là, je peux pas te dire. Ah, ok, je me suis pas de troc. Moi, je me suis de troc. Yo, Kilmo! Bonsoir! Ah, come on. Mon tir est tellement mauvais, là. Je pense que j'utilise 8 fois la poudre. Non, pas 8 fois, là, mais... Au moins 4 fois. C'est vrai, j'ai pas besoin de sortir ça. J'y aurais pas pensé. Non, j'ai raté ça. Ok, c'était bizarre, ça. On joue à Zelda à soir, Kilmo. Ah, ok. Non, pas en coop, en NMG, on fait une race. Tu veux voir les streams, tape point d'exclamation multi. Ah, bah tiens, moi aussi j'ai un drop de fée là, sur ce petit. Mais c'est vrai que je pousse le bloc avant de faire ça. Non, il n'attend pas. Je l'usais en safe, mais bon. Je suis un peu en retard pour une bonne raison et une mauvaise raison. Bonne raison, c'est la gueule. Ouais, la mauvaise, c'est moche. Oh boy. Merde. C'est bien difficile de faire cette dash là.
sais pas si je m'essaye par en arrière. Ouf, j'ai jamais essayé ça, fait que moi la réponse est non. Je suis même pas sûr à quel point ça vaut la peine en tempo. J'aimerais apprendre la version avec Potter à un moment donné, parce que c'est quand même plus simple. Oh ben ça a marché pour la première tête en arrière. Hey, je suis rentré dans ce cookie là, je pense, 4 fois. Faut qu'il y en a 2 là? Ouais. Je me rappelle plus que le cœur il pop en NG, pop ça au milieu. Ouais. Ouais, j'en ai. Tiens, on va avoir le temps de taper là. C'est pas loin d'un goal, ça. C'est bon. À moins qu'il y ait une manette de cutscene. Ah, j'oublie tout le temps le menu à Hookshot, à Trinex. Non, j'ai jamais fait le super speed pour l'écran. Bon, là, j'ai une chance. Si je la rate, faut que j'aille ouvrir la safety door. Ça fait bien 4 coeurs de dégâts, les lasers? Bonne question. Oh, un autre gold! Let's go. J'en suis. Ok. Good. Hein? Lol. Je me suis fait hit par les... le fameux... Linel. Ouais, ton laser skip était sûrement meilleur que le mien. Non! Je me suis réessayé par 5 fois. J'ai pris un peu de temps avant de le faire. Oh boy, je me rappelais plus s'il fallait j'aille à la gauche ou à droite. Oh bunk. Il y avait eu un bug sur mon Trinex hier. Avant hier. Bref. Non, pas ça. Ah, je vais avoir réussi à sauver du temps là-dessus, je pense pas. Ouais, genre, on va prendre 25 secondes. Ah, c'est un gold! My god, c'est un gold! Ben, let's go! Oui! Je veux dire, après avoir trouvé, après le Poki... Pis sûr, ce qu'il faut que j'aille à n'importe où. C'est correct, t'as commencé par aller à droite. Ah, ça semble correct. Oh ouais. Ah, j'ai oublié Dookshot. Comme toi, je n'ai pas beaucoup de flèches. T'as raison, j'ai vraiment pas de flèches. Bah, c'est correct, il y en a 10, 15, 20. Il y en a 20 que tu peux aller pogner. Et lui m'en a droppé. Why not? C'est ça, t'en as un dans un pot là, c'est ça, puis t'en as 12 dans le coffre. Ah! J'ai tout le temps avec mon mot de boîte de dialogue là. Je m'enlève la main de ma manette. Je fais non, faut que je passe sur là! Ah, j'avais presque le quick kill. Ah, j'ai jamais appris le quick kill sur moi non plus, mais à force de le voir, à un moment donné, randomly, on risque de l'avoir. Je pense pas l'avoir vu souvent. Ok, GT, touch pour Fire Snake. Thank you.
Ah! Ok, attends un peu là. Merci. Non, on va aller perdre le temps de faire comme je suis bien. Hey boy. Ok. Ça va être pas safe pour cette gantlette là. On peut y avoir prendre la sécurité. Ça va nous briser. Ok, droite. J'ai essayé Repro Arch pour les jeux de la 64 pis je l'ai pas vraiment aimé. J'ai essayé de me tirer dans les trous de façon stupide. Oh, j'espère ouais. Que oui. Parce qu'il y en a des trous encore en masse à venir. Parce que je me suis tiré trois fois dans le trou. Tant que c'est pas dans le trou à Ganon. Ah ouais, ça, effectivement. Maudit Swordbeam que je te déteste. Bon, merci. Je pense qu'il n'y a rien de pire que le gauntlet avec les Swordbeam. Ben voyons. On va trouver un exemple pire. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'elle est tombée trop près dans le trou, mais je vais avoir perdu du temps sur cette script-là. Mais ça te smipe dans le black. Ah, non, c'est pas le bon. 4 secondes et demie. On va dire. Je l'ai pris hier, on va apprendre aujourd'hui. Hey boy, that Armos. Armos, Nalmo là. C'est correct, Moldorm Trinex. Ouais. C'était là le mot, je pense. Ok, ils ont des yeux puis ils bougent. Tout pareil. Ah, moi, il me semble que c'est pas les boutons C le problème, c'est vraiment de gérer la sensibilité du joystick que j'ai trouvé ça vraiment compliqué à configurer. Alors que de l'autre côté, dans Bizox, ça a été super simple. Mets ton joystick full left, mets ton joystick full top. That's it. Oups. Ah bon, je suis un peu comme toi, mais en red mail. T'es en red mail? Moi, je suis à la chercher. Dans mon pli, je l'ai pris. Moi, je l'ai pas pris, puis je sais pas combien de temps ça fait perdre, fait que. Je sais pas trop. 20 ans de secondes, je dirais. Ouais, c'est sûr, j'allais dire à 20 minutes, je dirais 15. 15-20 secondes. Bon, ben, moi aussi, je vais aller prendre un safety room, capable, puisque là, je viens encore de me tirer dans un trou. Mais même en vrai de main, le gauntlet a 5h30. Mais. Ok. Je suis du pour arrêter de jouer, je pense. Tabarouette, that Moldorm. Quatre hits, ce Moldorm avec Temper, c'est parce que ça a mal été. Mais bon, pas tomber, c'est un plus. Je t'avoue que... Bon. Comme toi, mon problème est réglé. Je commence à être tanné de frapper des amis pour pas les tuer. Ah, oh, un. Arc. T'as bien des chances de. Un. Tu suis moi.
1-1-1, let's go! Malheureusement, ça va être un dieu sec qui a le mot. Bon, ben là, j'ai juste pas besoin de pogner une fois, I guess. 1-1-1-2-1. Ah bah what? C'est pas loin d'un goal aussi. Je comprends pas. Bon, on peut te draper de magie là. Ah oui, c'est un goal. C'est dans le place pack. Ok, focusons un peu. Ah fuck! Bon, je vais prendre un cycle. Oh fuck. C'est close, mais bon. Et ça a passé. Bon, 1-1 était sketch as fuck. J'ai ça quand je fais un coup de grappin puis ça hook ses torches, puis là faut que je revienne. Dans mon PB ou dans l'autre homme. Il fallait que je revienne chercher les bombes dans la salle d'avant parce que j'avais raté. La toi sketch, mais j'ai eu le torch glitch. C'est assez important. Ça fait chier quand ça fait ça. Bon, j'ai vaincu juste un trip, ça a l'air. Good enough. Ouais. On a ça à peu près une 38, c'est quand même bon. Ouais, mon Ganon, il a eu. Je pense que j'ai eu un téléport. Ah, ok, moi. Ça aide. Ah, ouais, c'est un goal officiel. Eh, j'aurais pas une 30, une 37, mais vraiment close. Okay. 38-01. Damn! 3 minutes PB! What? GP! Ouais. Complètement pas plus pourquoi, mais c'est fine. GG indeed. Yo Black, thanks for GG. Mais GT a été dégueulasse. Puis bon, là, j'ai splitté un peu trop tard aussi. Allez. Et quoi, une minute et demie en arrière de moi, à peu près, max? Ah non, mais c'est pas plus que ça. Je rentre sur Ganon. Puis typiquement, je réussis pas tout le temps mon Ganon. Oh, thanks for the GG. Unshape. La dernière fois, c'était un split qui m'a pris 3 minutes. Ouais. J'ai pas un. RIP 1-1. Ah fuck! J'ai fait exprès de tanker des dégâts parce qu'il me manquait. Ouais, le 12e hit, genre. C'est ça, mais il me manquait un coup. Ouais, j'ai fait tantôt que j'ai réussi à pas me faire hit en plus en passant dans les bats, c'était weird. Bah, bon, au moins j'ai pas pris de dégâts là-dessus. Oh shit, ouais, t'as mangé 3 bats. Hein. Ouais! Puis j'ai même pas réussi à donner mes 12 coups. Thank you.
Get off! On va mettre KO. Oups. Ouf. Encore un gars à cette position-là. Ok, je pensais pas qu'elle allait apparaître. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que je pratique mon Ganon, tu sais. Il est pas clean pantoute. Ouais, ben, Ganon, là, c'est super dur d'avoir un clean Ganon, c'est toutes ses phases, à part la phase 3, yes. Ouais, phase 3, il y a rien que tu peux faire. Là. Je peux compter mes coups ou pas rester beaucoup. Oh, un reste trip. Un. Ça va être un trip, ça. Yes. Ça quand même ouais, moins de temps dans le PB. Il savait à quel point mon canon n'était pas bon. Ouais, dans le PB, ça a été un petit peu difficile, la phase 4, je pense. GG. Yep. 1:41:35. Mais plus 1 minute 11, considérant que j'ai un plus 1 minute juste à cause de mon AGA. Puis Crystal 3, t'as perdu facilement 1 minute et demie aussi. Yep, 1 minute 44. Ben, c'était un sub 40 très possible, ça. Yep. Ben, je veux dire, t'enlèves la 1 minute 44 que j'ai perdu à mourir. Ben, c'est ça, exact. C'était déjà un sub 1 40. Fait que, ouais. Mais je suis étonné du gold dans tier 1, honnêtement, c'était pas si bon que ça, nous en portant. Ouais, parlant de gold, j'ai 15 splits, j'ai 8 gold. Je pense que ça faisait longtemps que t'avais pas joué, hein? Ouais. J'étais un peu surpris. T'as fait du rando depuis ta dernière année. Mais même pile, pas de temps, j'ai fait plus de SMZ3 multi, hein, mais t'sais... Ah ouais, ben ouais, ça peut aider. T'sais, ça aide, mais en même temps, ça aide pas tant. Non. Et j'essaye pas d'optimiser les rooms tant que ça en multi. Je suis d'accord que le multi, c'est pas ça qui te fait améliorer ton exécution. Ouais. Faudrait que je check sa date de camp pendant mon PB, ça me donne la meilleure idée. Mm-hmm. Bon, j'ai 3 notifs sur Discord. Qu'est-ce qui se passe? Y'a même pas de ladder rings là-dedans. Bon, l'annonce, j'imagine que. 9 months ago. Yeah. En septembre. Ah, moi c'était il y a 7 mois. Mais ça, je l'ai soumis avant. Septembre, c'est quoi qu'il y a? C'était-tu le micro-tournoi dans ce bout-là? Je pense que oui. Je pense que c'est ça. J'avais fait une run d'un MG pour me dérouiller un peu, puis j'avais PB, genre. Fait que c'est depuis le micro-tournoi. Puis je pense que depuis le micro-tournoi, j'ai pas fait de rando vraiment. Bon, fait que tous mes matchs de la semaine vont être scheduled. Donc, je vais avoir ma course de Kowalski jeudi soir. En fait, mercredi soir, mon Pog Champ match contre Edwin. Fait que j'ai pas vraiment de chance. Ouais. Ben, rando is rando, là, mais ouais. Je vais me réserver un 4 heures pour ça. Je sais jamais sur quoi tu tombes. À quoi? Mercredi soir, jeudi soir, samedi soir. PogChamp mercredi, Kresky jeudi, puis spoiler samedi. Semaine chargée. Ben, comme je suis dans 3 sur le tournoi, mes semaines ont tendance à ressembler à ça. Ben, le PogChamp, c'est quand même moins pire. Parce que j'ai pas fait un match par semaine. Ils sont comme pas mal lus sur l'horaire. Mais justement, comme j'ai pas fait un match par semaine, ben, je suis comme dû pour en faire. Oh, shit. Oh, Tiney, yes. Indeed, GG. Yeah! Je m'attendais pas tant à PB, mais de 3 minutes, ça, je m'en attendais pas partout.
Ça, c'était pas la première run, là. On a fait une autre avant. Ouh! Excusez. Falcon a abandonné ton niveau. Lol. Il est si pire que ça. Puis là, c'est la seule personne qui a essayé jusqu'à présent, c'est pas bon signe. Ouais. Mais c'est peut-être l'heure aussi, là. Falcon n'est pas aussi couche-tard que nous deux. C'est ça, s'il travaillait demain qu'il avait dit, là. Ouais. Camille a donné des suggestions, mais je pense pas qu'il a joué. Des suggestions. Pour empirer son niveau. Camille a testé ça. Ok, ouais. Niveau critique, puis il a suggéré des améliorations. Il a petiné, la seule solution c'est le PB aussi. Mastineux. Ben, j'ai fait mon PB hier qui était de 1.40.23. Fait que là, je suis en attente d'avoir ma première run sub 1.40. Ce qui devrait pas être long. Non, je pense que il suffit juste d'avoir une run que tu meurs pas pis que t'aies pas 60 blue balls. Yeah. Pis comme on disait, même avec des blue balls, j'aurais été correct. Avoir pris ça un petit peu moins safe, j'aurais eu une 37. Bon. Well, pas de mal à prendre ça safe. Non, c'est sûr. Quand tu vois qu'il y a 3 minutes à aide, c'est moins tannant de perdre 20 secondes. Ah mais là, tu joues pas juste pour me battre, là? Non, non, je voulais battre mon PB aussi, là, mais... 3 minutes à aide de mon PB, je parle. Le reste du niveau est fun à jouer parce qu'il y a un spot qui est troll, Cryptix. Puis le reste est normal. Bon, on m'a coupé mon stream. Bon, il monte chez Charles. Ah ouais, c'est bon, je vais. Merci tout le monde, plus DJ. On va aller voir Charles qui joue SM. Une mauvaise foi, DJ. So, ciao guys, à la prochaine. Ben, t'as pas le choix.